Coucou tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de... Pourquoi je dis dimanche? En fait, je me pensais demain, c'est drôle ça. Parce qu'en fait, ma vraie journée jardinage, c'est demain, dimanche. Mais là, on est samedi, je m'excuse, je suis tout mêlée. Je voulais juste, dans le fond, pré-filmer un petit peu aujourd'hui pour vous présenter, en fait, mes plans de jardinage. Parce que, comme vous avez vu dans mon dernier vlog, je compte refaire ma plate-bande en arrière. En fait, j'en ai trois petites, puis j'aimerais ça comme les combiner pour en faire une très longue. Mais là, je vais vous montrer officiellement les plans, parce que j'ai fait plein de dessins, plein de tests. C'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Comme le jardinage, je veux dire, autant les dessins que ce qui se passe pour de vrai dans plate-bande, c'est essai-erreur, le jardiner, ça s'apprend pas comme du jour au lendemain, j'ai l'impression, là, c'est vraiment un work in progress, faut être très patient. Si vous aimez jardiner, là, vous le savez, là, ça demande de la patience parce que les plantes, le temps que ça pousse, surtout avec la météo qu'on a en ce moment, mon dieu, il arrête pas de pleuvoir, genre, un matin, il faisait super beau. Encore de la pluie après-midi. Demain, il annonce 30% de pluie. Fait que je pense qu'on va être correct. Mais mon dieu, j'avais peur. Vu que j'avais cété la date avec ma maman il y a longtemps, j'avais comme peur qu'on se fasse avoir par un orage ou quelque chose. Mais bref, tu sais, je m'en allais avec ça, moi-là. Je déparle tellement des fois, hein, c'est incroyable. Je pense que toutes les vlogueuses sont comme ça, honnêtement. Mais oui, donc je voulais vous montrer mes plans. Puis j'ai trouvé, ok, une application débile pour prévoir vos plates-bandes. Fait que si vous êtes pas trop dessin dans la vie, là, genre pen and paper, vous pouvez visualiser carrément qu'est-ce que vous allez faire avec cette application-là. J'ai fait une recherche Google, là, il y a plusieurs comme genre de logiciels ou applications, mais celle-là s'appelle Garden Puzzle. Et j'ai joué pas mal avec dans les deux dernières semaines, sérieusement, c'est comme, c'est vraiment comme jouer aux Sims, là, c'est addictif. C'est gratuit pour une espèce de démo avec des backgrounds comme ça que tu peux pas changer, mais si tu veux ta propre photo, genre ton landscape, ta cour, il faut que tu payes 20$. Ça dure plusieurs mois, je sais plus par cœur, mais c'est moins qu'un an. Fait que moi, étant un petit peu folle, j'ai payé 20$. Fait que ça ressemble à ça ici. Dans background, il vous propose certains styles de maison. Mettons que tu prends, ok, cette terrasse-là. Après ça, ici, t'as tous les choix de plantes. Puis t'as aussi des structures, donc tout ce qui est les arches, les chaises, machin. C'est pour ça que je dis, vous pouvez vraiment faire une cour au complet. Mettons que tu mets une fontaine, t'as juste à cliquer. Fait que c'est genre click and drag, là, super simple. Ils font automatiquement comme à l'échelle, là. La grosseur des trucs change, tu sais, mettons, comme ça. Fait que voilà. Après ça, dans texture, vous avez toutes les roches, le gazon. Et ça apparaît. Ah, il bug, je sais pas pourquoi. Fait que t'as vraiment comme de tout. Là, je me suis mis un petit spruce ici. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Là, c'est juste pour vous montrer. Puis ce qui est le fun, c'est que ici en bas, si vous cherchez genre vraiment un type de truc en particulier, mettons, tu cherches un arbre, ben là, tu cliques dans les arbres. Tu peux aller la grosseur de l'arbre que tu veux, médium. Puis la lumière. Mettons, toi, tu sais que ton arbre, il a besoin d'être dans l'ombre. Oh, ben tiens, il m'en a pas trouvé. Peut-être que tous les arbres doivent être au soleil. Fait que c'est pas mal ça, écoutez, moi je trippe là. Ça peut aller super vite, genre visualiser sa plate-bande de rêve en quelques secondes. Puis là, on dirait que c'est un sponsor, mon affaire, mais c'est pas sponsorisé, promis. Je vous le dis tout le temps quand ça l'est, puis c'est vraiment moi qui m'a payé ça. Fait que c'était juste pour comme vous donner une idée. Bon, fait que là, on est dans le boudoir que j'aime tant. Mon dieu, que je suis contente que cette pièce est enfin terminée. Chaque jour, je suis dedans, je suis comme, oh, c'est beau. C'est vraiment inspirant, puis le fun. Puis je vais vous dire merci pour vos beaux commentaires, j'apprécie énormément. Fait que je vous mets pour la première fois en vlog dans l'espace de travail. Vous avez en fait la vue contraire là, mais j'aime tellement ça travailler ici, c'est vraiment chouette. Pas tout si s'en sert, il y a toutes ces affaires de bois là qui sortent. Excusez, je me gratte une boule. Fait que, qu'est-ce qu'on commence en premier? Les inspirations Pinterest, je pense. Ok, je vais vous montrer sur mon sel. Puis l'histoire là, pourquoi j'ai refait mes plates-bandes, si jamais vous vous demandez, c'est juste parce que on est arrivé ici il y a 2 ans et demi à peu près, il y avait rien. En arrière, il y avait une rhubarbe, l'autre affaire bizarre, puis des mauvaises herbes. C'est tout. Fait que ça a été un gros processus, genre planter le gazon, faire des dalles, faire les bacs en bois que Pat me fait, acheter des graminées, les mettre dedans, continuer le potager. Oh Lily, t'es là! Créer des plates-bandes et tout ça, mais j'ai été chanceuse parce qu'on m'a donné beaucoup de plantes quand je suis arrivée ici. Tu sais, comme ma mère a trouvé des plantes à donner souvent sur des sites là ou sur Facebook, je sais plus par cœur. C'est pas Plant Catch, je pense que ça s'appelle Plant Catch à Montréal, que tu peux voir qui donne des plantes, tu peux faire des échanges de plantes et tout ça. Fait que c'est vraiment génial pour se partir. Oh ma belle! Fait que j'ai eu plusieurs vivaces comme ça en fait, moi des annuels, en passant j'en achète juste pour mon patio là, mes pots. Mais sinon je veux des vivaces seulement là, honnêtement, là, je trouve tellement une dépense les plantes que si au moins ils peuvent revenir à chaque année, tu sais. Fait que c'est ça, ma mère m'en avait trouvé plusieurs, sauf que là 2 ans et demi plus tard, je me rends compte que c'est comme quand t'es dans ton premier appart puis que tout le monde te donne du stock, c'est aussi très le fun puis très cool pour te partir, mais à un moment donné t'as le goût d'avoir tes propres meubles puis des meubles surtout qui te font triper, tu sais, de la déco à ton image et tout ça. Fait que même chose de l'appart quand on est venu ici, on a comme commencé progressivement à changer nos meubles et tout ça. Mais là j'avais comme envie de faire la même chose avec les plantes, non seulement parce que
j'ai écouté beaucoup trop la chaîne Garden Answer que je vous ai parlé dans le dernier vlog. Lauren est tellement inspirante, elle est tellement douée, j'apprends beaucoup beaucoup avec elle. Puis elle l'avait dit dans une vidéo, tu sais, honnêtement, perdez pas votre temps avec des plantes que vous aimez pas. Tu sais, la vie est trop courte là pour regarder des fleurs que vous aimez pas. Et donc moi, étant passionnée de beau et aimant transformer les espaces, je me suis dit que ça serait cette année que je fais mon gros makeover de plate-bande en arrière. Puis après ça, je vais m'attaquer à la clôture. Vous étiez déjà beaucoup à m'écrire par rapport à ça, genre « Hey Sim, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ta clôture? » Vous me faites mourir de rire premièrement parce que j'étais comme « Oh mon dieu, vous vous rappelez genre de mes struggles de clôture de l'année passée. » Comme quand je parlais de ma piscine tout le temps, tout le monde des événements était comme « Pis ta piscine, pis... » Oh là là, désolée, hein, je suis lourde des fois avec mes problèmes qui sont tellement pas graves dans le fond. Mais ouais, la clôture, je vous en reparlerai, ça va être un autre vlog à venir après le projet jardinage, parce que ça aussi, je veux juste comme get done with it, là, tu sais. Après, ça va juste être d'entretenir et d'arroser, mais j'ai vraiment hâte de planter des nouvelles affaires. Et j'ai vu des photos sur Pinterest qui m'ont vraiment inspirée, que je me suis dit genre, ok, on fait ça, genre, on fait exactement ce style-là. Parce que je savais déjà que j'aimais beaucoup les fleurs bleues. Par contre, les fleurs bleues, c'est très rare, c'est la couleur de fleurs la plus rare. Puis j'aime aussi dans les fleurs les couleurs rose et mauve. Fait que vraiment, c'est une belle harmonie à la base. Puis c'est aussi des couleurs très romantiques, féminines, tu sais. Puis j'aime ça les jardins qui sont un peu féeriques. Donc j'ai vu des photos comme ça par exemple qui m'ont vraiment inspirée. Tu sais, ça c'est vraiment beaucoup de vert, beaucoup de petits boxwood, mais ça fait un trop bel effet mélangé avec ça ici qui est, je crois justement, la Nepeta, qui est la plante que j'ai plantée dans mon jardin l'année passée, qu'on m'a conseillé mais que je savais pas que ça s'appelait menthe des chats, genre c'est catmint en anglais, pis ça a le même effet que de l'herbe à chat. Fait que les chats du voisinage se sont amusés dedans. Et j'ai été très surprise qu'elle repousse cet été, et genre haute comme ça là, elle est miniature, mais je pense qu'elle va repartir, là y a pas de danger. Mais là cette année, j'étais allée me chercher des cerceaux pour vraiment comme soutenir les plants pis les protéger, parce que sinon ça fera jamais comme sur les photos là, ça va tout le temps s'écraser parce que les chats se roulent dedans. Fait que tu sais, c'est aussi, mettons, aller comme ça avec le mix du vert tendre avec le lilas, ça me fait triper. Fait que j'aime vraiment beaucoup les fleurs mauves, puis c'est là-dedans que j'ai le goût de m'en aller cette année. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les graminées comme ça. Ils font vraiment des beaux mélanges. T'sais, ça fait aussi de la rondeur, mais avec une texture de feuilles vraiment différente. Checkez ça, genre... À quel point c'est cute! Je trouve ça incroyable! Fait que ça, c'est la première étape, s'inspirer sur Pinterest. La deuxième étape, c'est de faire les plans, idéalement à l'échelle. Moi, j'ai pris, j'avais un cahier comme ça, en fait, qui a des petits picots. Fait que ça va super bien, j'avais juste à prendre ma règle puis à tracer vraiment comme ma cour puis tout ça, puis j'ai fait l'espace que j'avais approximativement. Ça, je vous jure là, ça a été tellement le plus long processus parce que je voulais pas m'arrêter tant que j'étais pas satisfaite, genre. Fait que le soir ou n'importe quand dans la journée, quand ça me poignait, j'étais comme ok, là j'essaye. J'étais jamais satisfaite de mes plans jusqu'à aujourd'hui, en fait, que je suis comme ok, là j'arrête, là c'est demain, ça va bien se passer, faut juste que je me fasse confiance. Je pense que c'est juste ça le problème. Fait que là, j'ai fait des tests entre autres pour la forme de la plate-bande. Si je l'ai faite comme plus ronde en laissant un espace au centre pour mon banc, là, mon fameux banc que je veux acheter. Puis ici, ben, c'est juste la ligne continue comme je l'ai montré dans le dernier vlog avec le banc. Mais comme ma cour est très comme large et étroite comme ça, fait que je me disais que ça l'allongeait encore plus. Mais là, on n'a pas l'effet vertical des plantes que je vais mettre. Fait que c'est sûr que ça va atténuer, puis je vais aller me chercher justement des petits arbustes puis tout ça. Fait que là ici, écoutez, c'est encore plein de tests de forme. Et là, finalement... Ben, je m'étais faite une petite sélection. En fait, je voulais partir quand même des plantes que j'avais, que j'aimais. Il y en a que je veux garder, là, genre mes hostas, tout ça, mes pivoines, c'est sûr que j'y garde. Mais à partir de ça, à partir de ces couleurs-là, puis les temps de floraison, j'ai comme imaginé de quoi. Puis ben, ça ressemble à ça finalement. Fait que tout ce qui est en haut, c'est à vue d'oiseau, puis ça, c'est la même chose vue comme ça, là, je sais pas comment on dit. Fait que je veux un flower bed bien rempli, avec plusieurs formes intéressantes comme ça qui se succèdent, plusieurs genres de petits trios, de petites sections. Là, ça, c'est pas très beau, mais en tout cas, on comprend c'est quoi, là, je pense. Puis de haut, ça ressemble à ça. Je voulais juste mieux vous le remontrer, au cas où vous avez mal vu, là. Je voulais juste mieux vous le remontrer. Puis pour le banc, j'ai fait des recherches, Pat m'a envoyé plusieurs liens aussi. Puis j'en ai trouvé plusieurs beaux, puis c'est moins cher que je pensais, tu sais, comme des bancs en fer forgé, là, style un petit peu ancien. Je pensais que ça coûtait comme plus 300 à 500. Puis à date, j'en trouve qui sont entre 100 et 200, fait que c'est vraiment pas mal. Mais là, mon préféré, je vais vous montrer, là, sauf qu'il est out of stock! Il est parfait, genre c'est vraiment le look que je voulais. En plus, il y a un coussin, fait qu'il peut être confortable. 98$, ça, là, checké. Je pense que lui, il est en aluminium, mais c'est encore mieux. C'est juste le fait que... Pourquoi ça clignote, là? What the fuck? Mais ce que j'aime des vieux bancs, moi, c'est vraiment le fait que c'est comme plein d'arabesques comme ça. Fait quoi, il y a lui qui est une bonne option, mais qui est pas en stock. Sinon, j'en ai un autre ici, 200$, c'est Walmart.
Sauf que lui, il fait vraiment belle époque, genre, il fait vraiment très vieux, il y a comme des roses dessus. Moi, j'aime ça, mais je me dis, est-ce que je vais être too much, genre, est-ce que, tu sais, il y a vraiment un style, là, mais ça fait super romantique, puis j'aime ça, là, le petit côté jardin secret et tout. À suivre! Fait que c'est pas mal ça pour mes plans, mais en fait, je m'étais imprimé des photos aussi, je voulais me faire comme un petit collage, là, finalement, je l'ai pas fait, mais c'est juste pour le fun. Puis ça, c'est un exemple d'une de mes premières plates-bandes sur Garden Puzzle. J'ai la misère à parler. Je l'ai imprimé pour mieux voir, puis je l'avais mis comme printemps, été, automne. Mais ça, c'était si je gardais justement trois plates-bandes. Tu sais, finalement, je vais en faire une au complet. J'ai tout autre affaire à vous montrer. Non, c'est juste des dessins, de la paperasse. Et sinon, ben, on va se retrouver ici demain matin, très tôt, avec ma mère pour être prête à planter. Yeah! C'est quoi cette fleur rose-là derrière la matière? C'est des quoi, ça? À chaque fois, je dis que c'est beau, ça. C'est cute! C'est tout délicat, on dirait du papier de soie. Oui. Ok, ça, c'est les plantes d'intérieur, là. Faut pas que je me laisse tenter par ça, là. Hop! Petit boxwood! Big shish! 30 pouces? 30 pouces de haut? Non, je vais essayer de contenir. Ah, mais là, je suis mêlée parce qu'il est dans un pot, en fait. La vraie hauteur, faut que j'enlève la hauteur du pot. Oui. La terre, elle va être là, fait oui. Un peu plus petit, finalement, là, pour mettre à côté de ma chaise. On cherche quoi mettre derrière mes hostas parce que je peux plus ou moins planter là à cause des cèdres. Je peux pas mettre genre un autre cèdre, justement, il va avoir de la misère. Puis j'ai besoin qu'il soit à la bonne hauteur, la bonne largeur. C'est compliqué. En tout cas, on m'a dit que mes plants étaient beaux. Elle m'a demandé si je travaillais là-dedans. J'étais comme non, mais merci. Bon, ben le champ est plein. On s'en va en maison. Alors, les paris sont ouverts. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que mes ongles vont résister à cette grosse journée de travaux. Moi, je suis sûre qu'il y en a qui cassent ou qui peel off. Je pense que oui. Même si c'est résistant du gel, ben c'est parce qu'il faut que je me mette des gants. Mais j'aime pas ça, mettre des gants. Lily, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Lily? Bon, on est en train de rapatrier tous les plants. On va aller, ben pas les planter tout de suite, là. Faut faire du ménage avant. Mais on va vous montrer ça. Check ça, la belle petite famille. Waouh, waouh, waouh! Mais ce swag de jardinage! Je suis toute en gris! Fait que comme je disais, on va aller faire les trous, tu sais, tasser les affaires, tout ça avant de planter. Mais il y a eu comme des petites adaptations que j'ai dû faire à mon plan initial, malheureusement, parce que comme je m'en doutais un petit peu, planter une espèce de conifère proche des cèdres, c'est pas une bonne idée parce que les deux vont faire beaucoup de racines. Puis tu sais, si je coupe trop des racines, les cèdres de l'autre bord, ils vont mourir, genre. Fait que ça prenait peut-être quelque chose qui a des racines un peu plus flexibles, tu sais, une plus petite mode de terre. Fait qu'on cherchait quand même quelque chose qui va venir haut, qui serait vert, idéalement, qui reste en hiver. J'avais vraiment pas beaucoup d'options, mais finalement, on est allé pour les hydrangées grimpants parce que j'adore les hydrangées, c'est ma fleur préférée. Ils vont être blanches, mais ça fait pas genre une trop grosse fleur, là. Ça fait comme plus naturel, je sais pas comment dire. Puis comme ça fitait parfaitement derrière mon banc, en fait, vu que j'avais besoin de quelque chose de large, de haut, mais pas profond, pas rond, j'ai décidé de répéter ça en fait où je voulais mettre mon gros conifère. Fait que vous allez voir des petits changements face à mon plan initial, mais on n'avait pas le choix, écoutez. Ah oui, puis même chose pour les graminées, celles que je montrais en photo, j'ai oublié le nom là. Je suis pas sûre que ça existe au Québec ou que c'est assez rustique. Fait que j'ai pris des annuels pour ça en fait. Ils étaient 5$ chaque, là. Ça coûtait 20$. Puis je vais avoir des super belles graminées qui à la fin de l'été vont faire comme des grosses. Des gros pompons, un peu comme du blé, mais un petit peu rosé. Fait que ça va aller rechercher ma plate-bande. Je pense que ça va être vraiment beau. Puis ils viennent assez hautes. Parce que toutes les graminées que je voyais au centre de jardin, ils étaient petites ou ils allaient rester petites. Il n'y avait pas un beau choix. Fait que voilà, on s'adapte, on trouve des solutions. Let's go! On essaye de pas faire tomber son option. Bon, fait que le paillis est dégagé. Maintenant, on va enlever les plantes qu'on veut pas pour peut-être les relocaliser plus tard ou les donner. Ouais, les deux émeracales, ces deux-là vont partir parce qu'ils ont des fleurs oranges. Puis c'est un peu tropical comme si tu en plantes un, puis l'année d'après, ça devient de même. Fait que ça, c'est sûr que ça part. C'est pas mes fleurs préf pour être franche. Bon, fait que là, les plates-bandes en viennent pas mal vides, surtout celle-là. Mais il faut comme dessiner un petit peu la ligne parce qu'on va tout revirer la terre, en ajouter de la bonne, c'est faire la bonne hauteur et tout ça. Les pivots, je pourrais pas les déplacer tout de suite, hein, parce que regardez-moi ça!
Ils vont faire plein de fleurs. Il y en a comme une douzaine là-dessus, je pense. Puis là-dessus, il y en a juste deux. Mais elle est tellement plus haute que l'année passée. Fait que ouais, ça, je vais attendre. Je veux les avoir en fait dans le coin, comme derrière où ce que ma mère est. Mais je veux pas les bouger tout de suite, parce que ça aime même pas ça être bouger les pivoines. Puis en plus, ils ont pas fait leur floraison. Fait que on va attendre. Mais sinon, le reste, on va comme enlever tout ça ici en suivant ma forme que j'avais fait avec ma hausse. Puis voilà. Quand c'est couvert comme ça on est bien, mais quand le soleil sort là, oh, en plus avec ça, arc. Je vais vous montrer ce qu'on est rendu, regardez. Ta-da! C'est pas encore final, mais je vais le justement finaliser quand on va être rendu à... C'est parce que tu sais, c'est mieux des fois de mettre les plantes puis après ça de comme curver autour. Ben c'est bon de faire un peu des deux je pense, t'sais. C'est juste pour la finition. Je vais me garder un petit peu parce que ça, cette curve là est belle, mais ici, oups, ça s'en venait trop droit ici. Fait qu'il faut juste que j'en enlève un peu plus là. Sinon, ben c'est ça que ça donne. Fait que là, il y a des motons de gazon partout de ce qu'on a coupé. Fait qu'on va juste tirer pour garder le plus de terre possible, hein, parce qu'on veut pas en acheter 10 millions. Le sac de terre, puis on va les mettre dans la brouette. Oh, mais tout l'excédent de gazon est rendu là. La ligne n'est pas encore parfaite, mais je retravaillerai tantôt, comme je dis. Mais là, au moins, ça s'en vient clean pas mal. Youpi! Moi, on m'avait dit de prendre de la terre cheap, fait que je prends la plus cheap! Look at this! On a ajouté la nouvelle terre, puis là, on l'a brassée avec l'ancienne. Parce qu'on veut comme enrichir le fond. Fait que moi, je vais commencer à placer les plantes avant de les planter, voir qu'est-ce qui va où, si tout fonctionne comme prévu. Imaginons que c'est un banc. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Est-ce qu'on prend le risque d'une vie? Non. On va déplacer les pivoines parce que j'ai pas pensé qu'eux autres, en fait, ils vont aller là. Mais je peux pas les garder indéfiniment en pot. Ils vont mourir, tu sais. Je veux dire, ils vont s'assécher dans le pot. Puis ils vont exactement là. Fait qu'on va se faire de la place. Écoutez, au pire, j'ai des yeux gratuits, là. Je les adore, là. C'est dans mes fleurs préférées. Mais on va quand même croiser les doigts qu'ils vont fleurir pareil. Je vous tiendrai updated là-dessus. Puis sinon, au pire, ils vont sûrement survivre. Puis le pire qui peut arriver, ben, j'y remplace. Voilà. 20$, c'est tout. Ils l'année prochaine. C'est ça. Ou une autre année. On l'essaye. Bon, fait qu'ils vont aller ici. Ça va être plus beau là. Ici, il y a un trou. Fait que là, on va mieux voir qu'est-ce qu'on fait. J'ai besoin d'une petite musique rocky là-dessus. Les petites lumières sont sorties. On a fini! Juste à temps! Les chaises blanches flashent beaucoup. Ah oui, on a l'équivalent de deux journées certains. Je vais vous montrer demain quand c'est final, parce qu'il reste à mettre le paillis et refaire vraiment la bordure super bien, mais ça donne quand même une idée ce soir. C'est très très beau. Tout ça ici, ça va devenir plus haut et plus rond, là. Fait que voilà. Yeah! Oh! On est chez une autre du On a plus d'énergie! Moi, mon look hey. Tout croche après une grosse journée de jardinage. Pire, c'est ma plus grosse journée. Genre, elle est toute crottée. Je suis dégueulasse, pleine de piqûres. Là, les moustiques sortent, faut vraiment rentrer. Mais on a fini! Guérir juste arrosé en fait. Puis c'est bon. Merci, maman! De rien, ça me fait plaisir. C'est le fun. On a fait une belle job. Mais ça. Yo, on se retrouve le lendemain après-midi. Je viens de me changer pour aller jardiner, n'est-ce pas, ma belle Lily? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, elle veut de l'attention ou de la bouffe. Je sais pas trop, mais à cette heure-là, elle se réveille de sa sieste, hein? Ouais, fait que j'avais bien des affaires à faire aujourd'hui, mon Dieu. Puis j'en ai encore à faire à soir, là. Sérieusement, tantôt, je pensais que j'allais faire une crise d'angoisse. Tellement j'ai vu, genre, la montagne de choses cette semaine. Puis mon horaire qui arrête pas de changer, là, ça me stresse. Sérieusement, c'était pas nice, là. J'essaie de planifier 10 millions de trucs en même temps, puis ça marche juste pas. Mais anyways, là, je suis contente parce que je vais aller me relaxer. C'était le moment que j'attendais toute la journée, c'est-à-dire jardiner. Mais la seule chose qui me reste à faire aujourd'hui, en fait, c'est d'étaler le paillis, puis de ranger un petit peu la cour et tout ça. Je vais peut-être les réarroser parce qu'il y a eu comme une minute de pluie un matin. Mais j'ai 2-3 plantes là, qui ont un peu de misère en ce moment, évidemment, parce qu'ils ont pas aimé ça être transplantées. J'avais des sauges en avant de la maison que j'ai mis derrière, entre autres. Puis j'ai vu tantôt qu'ils étaient comme tout mou. La pivoine aussi, je la vois d'ici, puis comme... Elle aime pas ça, fait que je vais essayer d'aller leur donner un peu d'amour. Oh oh, mais qui vois-je? C'est Loulou. Il a tellement peur de moi. Hey, j'ai protégé mes népétas, j'avais assez peur que les chats aillent dedans. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai mis comme ce petit tapis-là que j'ai trouvé au de l'eau qui est censé genre empêcher les animaux d'aller autour des plants pis tout ça, fait que j'en ai découpé autour mais j'ai comme quand même pas confiance, fait qu'en attendant j'y protège, en attendant que mon herbe à chat pousse là-bas. Et puis ouais, c'est ça que je voulais dire, toute leggy, oh oh. Les graminées par contre, ils ont l'air super bien, les autres ils ont l'air d'avoir aimé le changement, tout le reste ça va. Loulou il est là. Sinon ouais, la pivoine, pas forte, pas forte. Non! Oh my god, je suis vraiment fière! C'est une belle plateforme! J'ai juste hâte de voir pousser tout ça. Oh, je vais vous faire des updates, c'est sûr. C'est tellement beau! Oublie, je suis encore crottée! Bon ben, je voulais juste vous dire bye, puis merci d'avoir été avec moi pour ce vlog jardinage. Comme je disais, je vais faire des updates au cours de la saison parce que là, ça dit pas grand-chose. Les plants sont tout petits, mais si on peut avoir un été, ça va finir par être intéressant. Fait que I'll keep you guys updated sur Insta et ici. Si vous avez aimé, comme toujours, oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire parce que vous savez que je les lis tous sur ma chaîne beauté. J'ai pas le temps de toutes les lire, mais ici, oui. Fait que laissez-les. Puis sinon, si vous vouliez savoir, mes ongles... Ils ont quand même toffé, sauf que j'en ai un que le gel a cassé tantôt, puis j'ai mon petit doigt qui a décollé hier. J'ai juste remis comme du gel transparent par-dessus pour qu'il soit plus solide en attendant, parce que de toute façon, je refais mon design, ben ma couleur en fait, dans genre 2 jours à peu près. Fait que voilà, pour celles qui auront participé dans les commentaires, vous avez la réponse avant de partir. Ok tout le monde, bye bye!